Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le pasteur Yvon Mouketou, pasteur associé à l'église Assuaire Lyon. C'est toujours une grande joie, un plaisir, un privilège et une grande responsabilité de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Merci à tous qui sont connectés ce soir et qui vont encore partager ce lien. Nous allons finir notre série au sujet du parcours de croissance du chrétien. Beaucoup ont été bénis par cet enseignement et vraiment nous rendons gloire à Dieu. Et je prie vraiment que vous puissiez vous accrocher parce que ce soir, nous allons parler de la dernière étape de croissance, le dernier niveau de croissance du chrétien. Et ça va être vraiment super, super, super. Donc partagez à au moins 10 personnes autour de vous parce que les gens ont besoin d'entendre cette bonne parole qui va les aider à avoir vraiment... la vision de Dieu pour la croissance, l'objectif que nous recherchons, c'est lequel? Voilà, nous allons le découvrir ensemble. Si vous voulez bien, on va prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Notre Père, nous voulons te bénir, toi qui es Dieu, toi qui nous aimes, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ces moments. Nous voulons ouvrir et disposer nos cœurs devant ta parole, afin que nous soyons encore arrosés, bénis, transformés. Merci Seigneur, parce que ta parole vient avec la pensée de Dieu pour ce temps et cette saison de nos vies. Nous voulons grandir en toi et arriver à la maturité. Seigneur, nous voulons arriver à ce niveau où nous sommes des instruments puissants entre tes mains. Merci de bénir mes frères et sœurs qui sont connectés ce soir et toute personne qui va prendre part à ce programme. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'hésitez pas à nous faire des retours. Si cette série d'enseignements vous a béni, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, bien sûr, à recommander cette série d'enseignements parce que quelqu'un va certainement être béni par la parole de Dieu. Nous sommes bénis nous-mêmes et nous sommes vraiment très contents d'être des sources de bénédiction. Hein. Mon équipe et moi, l'équipe technique, nous sommes vraiment très heureux de pouvoir vous servir tous les mercredis par la grâce de Dieu depuis plusieurs mois maintenant. Et nous voulons vraiment remercier le Seigneur pour cela. Alors, nous avons commencé à étudier le parcours de croissance du chrétien. Vous savez, la Bible dit dans Luc 2, 52 que Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Sagesse, stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et on a vu que nous aussi, nous sommes appelés à grandir. La Bible dit désirer, comme les enfants nouveau-nés, le lait par lequel vous pouvez croître, d'accord? Et donc la croissance spirituelle d'un enfant de Dieu, elle va donc se refléter dans tous les aspects de sa vie et il va passer dans différentes étapes. On a vu qu'il commence par être un bébé spirituel, totalement dépendant, ignorant, totalement fragile. Et donc, il a besoin d'un cadre familial, il a besoin de leaders, il a besoin de bergers, il a besoin de pères et de mères spirituels pour s'occuper de lui. Donc, ce n'est pas un problème d'être un bébé spirituel. Le problème, c'est si vous restez un bébé spirituel trop longtemps. C'est-à-dire que la nourriture que vous mangez ne vous aide pas à grandir. C'est comme si la nourriture que vous preniez ne contribue pas à votre croissance. Il y a un problème quelque part. Un bébé ne reste pas bébé à vie, vous comprenez? À partir du moment où un enfant naît, d'accord, il grandit. Donc, quand vous naissez de nouveau, c'est pareil. Quand vous naissez dans le royaume de Dieu, c'est pareil. Donc, après le stade de bébé spirituel, on devient un enfant, on devient un jeune, d'accord? Et là, on commence à apprendre des choses, on commence à découvrir, on commence tester des choses, on commence à tester des choses en rapport avec la parole de Dieu. Bon, c'est pas encore très maîtrisé, c'est pas encore très solide, mais voilà, les choses commencent à se mettre en place. Ensuite, on devient un adolescent spirituel. Là, on commence à comprendre, on commence à avoir de la force, on commence à comprendre le sens des choses spirituelles, on commence à servir Dieu même, on commence à vouloir tester pas mal de choses parce qu'on a cette énergie de la jeunesse qui nous pousse, qui nous porte. Malheureusement, on peut faire beaucoup d'erreurs parce qu'on manque d'expérience, on manque de sagesse, on manque d'intelligence spirituelle. On manque d'expérience et c'est comment dire ça? Manquer d'expérience à un moment donné de sa vie, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est si
on ne fait jamais d'expérience pour avoir de l'expérience. Vous comprenez ça? Donc, à un moment donné, on est adolescent et on commence à vouloir faire des choses, on commence à vouloir faire des exploits et on se rend compte que les choses ne sont pas si simples que ça. Ensuite, on grandit, on devient un adulte. On devient un adulte là, on devient majeur, on est majeur. Spirituellement parlant, on devient autonome, on arrive à se gérer soi-même, on arrive à comprendre les enjeux de notre appel, de notre destinée, vraiment notre parcours avec Dieu, notre marche avec Dieu est claire devant nous. On sait ce que Dieu attend de nous, on sait où on va et on est conscient de ce que Dieu a investi en nous. Donc là, on est vraiment centré sur nous-mêmes, on maîtrise les choses. Ensuite, il y a l'étape d'ancien. Là, c'est un adulte qui a déjà une certaine expérience et qui s'occupe des autres, vous comprenez? Donc, il n'est plus centré sur lui-même, sur son équilibre, sur les plans et les projets de Dieu pour sa propre vie, mais il devient un instrument de Dieu pour que les autres aussi grandissent, les autres s'affermissent. Il devient vraiment un modèle, une référence et un encouragement. Il participe également à l'œuvre de Dieu, à la pérennité de l'œuvre de Dieu et il se tient lui-même à disposition entre les mains du Seigneur pour aider, bénir et faire grandir les autres. Donc, on n'est plus centré sur soi. Maintenant, l'étape dernière, la dernière étape de la croissance, c'est la mesure et la stature parfaite de Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise merci Seigneur parce que tu m'amènes à la mesure et à la stature parfaite de Christ. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, celui qui est à l'état d'homme fait, c'est l'ancien. D'accord ? À ce stade-là, c'est vraiment, on n'a pas encore basculé dans l'identification totale à Christ. Mais comprenez que c'est ce que Dieu veut, c'est que nous soyons, que nous arrivions tous, j'insiste, ça n'a rien à voir avec le titre, ça n'a rien à voir avec le nombre d'années, ça a tout à voir avec le processus de croissance dans lequel tu es engagé. Donc, la mesure de la stature parfaite de Christ, c'est l'objectif final de la croissance. Et pourquoi nous devons atteindre cet objectif? Parce que nous avons été prédestinés à être semblables à lui. Lisons Romains 8, 29. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, il a voulu que nous puissions arriver à ce stade. Romains 8, écoutez, verset 29. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Bien-aimé, est-ce que tu comprends que tu as été prédestiné à être semblable à l'image de Christ? Dieu a prédestiné, Dieu a inscrit que tu dois arriver à ce niveau. Mon ami, ne reste pas au stade où tu es. Si tu n'es pas encore convaincu par toi-même que tu es arrivé au niveau de l'image et de la ressemblance de Christ, tu as encore du travail, j'ai encore du travail. Bien-aimé, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé, mais je travaille pour y arriver. Et tu dois aussi travailler pour y arriver. Alléluia. Et nos différents progrès dans ce domaine sont des encouragements les uns pour les autres. Mais comprenons qu'il est de la souveraineté de Dieu que nous puissions arriver à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire qu'on doit le ressembler. Et il dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Quand vous prenez des frères, vous les regardez, les frères se ressemblent. Ils ont le même sang, ils ont les mêmes gènes, ils ont les mêmes caractéristiques. Alors, même si dans une famille, vous allez toujours avoir des gens qui ont des tempéraments différents, mais quand vous regardez des frères ensemble, vous savez qu'ils sont pareils, qu'ils sont de la même famille.
Vous comprenez ça? Quand on nous regarde, on doit pouvoir identifier Christ au travers de nous. Bien-aimé, quand on te regarde, on doit pouvoir identifier et reconnaître Christ parce que tu le ressembles, tu es censé le ressembler. C'est l'objectif final du parcours de croissance dans lequel tu es engagé avec Dieu. Alléluia. Et bien-aimé, sachez que la croissance spirituelle ne dépend pas de Dieu, elle dépend de toi parce que Dieu veut que tu grandisses. La question, c'est est-ce que tu acceptes de grandir? Est-ce que tu acceptes de faire disparaître ce qui est de l'étape précédente et qui peut t'empêcher d'entrer pleinement dans l'étape suivante? Vous vous rappelez de ce passage? L'apôtre Paul dit « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître, non pas Dieu, mais moi. » Donc comprenons qu'il y a des choses que nous devons consentir à faire disparaître pour accepter les éléments de l'image de Christ. La Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Si nous sommes prédestinés à être semblables à son image, c'est vraiment pour que nous soyons comme lui et bien aimé. Être comme Jésus, c'est dans le fond et dans la forme. D'accord? Regardez ce que Jésus lui-même a dit. Si vous avez toujours un doute sur le fait que ça fait partie de la volonté du Père et que Jésus l'a exprimé, lisons ensemble Luc chapitre 6, le verset 40. Vous savez, je ne suis pas ici pour vous raconter ma vie ou pour vous raconter des histoires. Je suis ici pour vous parler de la part de Dieu, vous parler de la parole de Dieu et vous montrer dans les Écritures ce qui justifie que nous puissions nous positionner pour entrer dans ce projet que Dieu a pour nous. Parce que c'est un projet de Dieu, n'oubliez pas, la Bible dit « Moi l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Donc Dieu a des projets, c'est Jérémie 29, 11. Dieu a des projets. Et parmi ces projets, le projet ultime, c'est que nous puissions ressembler à notre grand frère Jésus-Christ. Luc 6, 40, c'est Jésus qui parle. Il dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Tout disciple accompli sera comme son maître. Si tu es un disciple, c'est bien. Sache qu'il y a un travail qui doit être fait dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, même sur ta chair, pour que tu puisses être accompli et que tu deviennes comme ton maître en tout point. C'est Jésus qui le dit. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, il n'est pas question d'être un disciple non accompli. Parce que Dieu veut que tu sois comme ton maître. Dieu veut que tu sois comme Jésus. Le Jésus en qui tu crois. Le Jésus que tu adores. Le Jésus que tu célèbres. Il veut que tu sois comme lui. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une grâce d'avoir un maître qui veut qu'on soit comme lui? Bien-aimé, si tu n'as pas encore partagé vraiment, ou si tu viens de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de la dernière étape de croissance du chrétien. Il passe de bébé spirituel à l'image, à la mesure et la stature parfaite de Christ. Et bien aimé, il ne s'agit pas d'atteindre la mesure et la stature parfaite de Christ quand nous allons mourir, quand nous serons au ciel. C'est depuis cette terre que Dieu veut que nous puissions atteindre la mesure et la stature parfaite de Christ. N'écoutez pas ce mensonge diabolique selon lequel la perfection n'est pas d'ici-bas et on ne peut pas être parfait tant qu'on a cette chair. Ce n'est pas écrit dans la Bible que tant qu'on a cette chair, on ne peut pas être parfait. C'est une pensée satanique, c'est une pensée humaine parce que nous regardons à la faiblesse de la chair. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc arrêtons de pouvoir mettre des limitations sur nos propres vies alors que Dieu veut qu'on dépasse ses limites. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Bien aimé, c'est la foi en Jésus. Hein. Vous savez, moi, j'ai la foi d'un enfant, vous comprenez? J'ai la foi d'un enfant, je crois en la parole de Dieu comme un enfant. Donc, il y a un travail d'accomplissement dans la vie du disciple. C'est un travail de maturation. C'est un travail, c'est ce processus de croissance. OK? C'est ça aussi qui se cache derrière l'accomplissement. Donc, c'est des connaissances, des expériences, des révélations de Dieu. Tout ça qui vont te façonner à l'image de Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, c'est important de comprendre que
Christ vit en moi. Lorsque je reçois le pardon de mes péchés, lorsque j'accepte la vie de Jésus, Christ vient vivre en moi. Et l'apôtre Paul le dit dans Galates 2, 20. Il dit « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Bien-aimé, il y a un niveau de relation avec Dieu où le « moi » disparaît et c'est Christ qui prend toute la place. Jean-Baptiste a pu le dire, il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Le Christ qui est en toi doit croître. On l'a vu déjà dans les épisodes précédents, l'apôtre Paul disait, je crois que c'est Galates chapitre 4, verset 13 ou verset 19, il dit « Mes enfants, pour qui je souffre encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Ok ? Donc, Christ vit en moi, Christ est formé en moi. Mais Christ ne doit pas juste avoir une petite forme. Il faut qu'il soit totalement formé, il faut qu'il prenne toute la place. Donc, Christ vit en moi, c'est une étape. Mais Christ doit être formé en moi. Il doit prendre toute la place. Galates 4, 19. Et la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, Colossiens 1, 27. Si Christ est en moi, je dois espérer de vivre et de connaître la gloire de Dieu sur la terre des hommes et de prolonger dans l'éternité cette gloire. Alléluia. Parce que Christ vit en moi. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours là? Vous êtes connecté? Ok, donc nous sommes en train de dire que l'étape finale de notre croissance, l'objectif de notre parcours de croissance, c'est arriver à ce point-là où nous sommes semblables à Christ, où nous pouvons dire, comme l'apôtre Jean, qu'on a appelé Jean le divin, tel il est, tel nous sommes. Waouh! Lisons 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, oh, est-ce que quelqu'un est béni par la parole de Dieu? Dis merci Seigneur pour la révélation de ta parole dans ma vie. Tel tu es, tel je suis. Tel tu es, tel je suis. C'est des confessions de foi que vous devez faire. Ne dis pas tel tu es, tel je serai. Dis tel tu es, tel je suis. Alléluia. La Bible dit que Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Hein? Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il nous a créé à son image pour que nous puissions fonctionner comme lui. Donc quand tu découvres des réalités qui sont attachés à ta prédestination, tu peux les déclarer dans ta vie afin de les amener à se manifester dans ta vie. Alléluia, dis merci Seigneur, parce que tel que tu es, tel je suis dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Alléluia. Bien-aimés, lorsque vous avez la révélation de l'amour de Dieu, vous comprenez que cet amour vous presse, cet amour vous pousse vers l'avant, cet amour vous transforme, cet amour vous drive. En anglais, on dit drive, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez sur un fleuve qui a un courant qui va dans un sens, et quand on vous pose dessus, vous êtes simplement conduit dans le sens. Ça vous amène indiscutablement vers cette destination. L'amour de Dieu est la source qui nous garantit de pouvoir arriver à cette image, à cette compréhension. Tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Je le confesse et je le déclare sur ma vie. Je le confesse et je le déclare sur ta vie. Au nom de Jésus, tu arriveras à cette conscience et à ce niveau de maturité. Tel il est, tel tu es. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que l'objectif de Dieu a toujours été que nous soyons semblables à Christ, c'est-à-dire dans le fond et dans la forme. Dans le fond et dans la forme. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour ouvrir un chemin nouveau, pour ouvrir
la race nouvelle des enfants de Dieu. Il a inauguré un chemin, mais nous devons marcher sur le chemin qu'il a inauguré. Ça commence par la nouvelle naissance. Ensuite, on a le baptême, on a le témoignage de l'approbation de Dieu. On a le revêtement de puissance et puis on a le déploiement dans le ministère. Est-ce que vous comprenez ça? On a la vie de sacrifice, on a la vie miraculeuse et glorieuse. C'est ça que le Seigneur appelle. C'est à cela que le Seigneur appelle chacun de ses enfants, sans exception. N'oubliez pas ce passage, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Tous parvenus. Et tu es compris dans le tous. Alléluia. Alors, si vous avez encore un doute sur le fait que le Seigneur Jésus étant en nous, nous amène à être semblables à lui. Et si nous sommes semblables à lui, nous allons faire les œuvres qu'il a fait. Regardez le passage biblique qui a bouleversé ma vie lorsque j'en ai eu la pleine révélation. Je dois avoir 12 ou 13 ans. C'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 12. Bien-aimé, tu dois avoir un passage qui marque ta vie. Tu dois avoir un verset socle de ta vie, de ton ministère, de ta destinée. Si tu n'en as pas encore, demande à Dieu de te donner. Et si tu cherches un socle, tu peux prendre celui-là. Moi, je l'ai reçu, je te partage. Tu peux t'en servir. Alléluia. Et Dieu peut t'accorder la pleine révélation de ce passage. Jean 14, 12. « En vérité et en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Alléluia. Voici le verset qui a bouleversé ma vie et qui constitue le moteur de ma marche avec Dieu. Jésus m'a fait cette promesse que si je crois en lui, si tu crois en lui, tu feras les œuvres qu'il a fait. 1, 2, tu feras plus que lui. Alléluia. Waouh. Est-ce que vous comprenez que nous ne pouvons pas faire les œuvres que Jésus a fait si nous ne sommes pas constitués comme lui, si nous ne sommes pas composés comme lui, si nous ne sommes pas connectés à Dieu comme il a été connecté? On ne peut pas attendre de quelqu'un, comment dire ça, quelqu'un de différent. C'est comme si vous donnez peu de ressources à quelqu'un et beaucoup de ressources à un autre et vous leur demandez d'atteindre les mêmes objectifs et de faire les mêmes choses. Ce serait injuste. Mais si le Seigneur dit qu'on doit faire les mêmes choses, c'est parce que nous sommes équipés de la même façon et c'est ça qui garantit qu'on puisse faire les mêmes choses. Et vous savez, le secret de ce passage, il se trouve dans le verset 10, Jean 14, à verset 10. Donc, les disciples ont demandé, donc c'est Philippe, si vous lisez verset 8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» Écoutez le verset 10, Jean 14, 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Ouh, voilà une confession que vous devez faire tous les jours. « Je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Bien-aimé, tu es dans le Père et le Père est en toi. Sois-en conscient. Alléluia. Donc ça, c'est une des clés qui va déclencher le surnaturel. Il était dans le Père et le Père était en lui. Et c'est nous aussi, nous l'avons lu. Nous devons être dans le Père. L'amour de Dieu doit être en nous. Et quand l'amour de Dieu est en nous, nous comprenons que nous sommes dans le Père est en nous. Nous sommes aimés du Père et nous aimons le Père. Il y a une réciprocité, il y a une connexion entre le Père et nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, tu ne seras pas au même niveau. Après avoir écouté une telle parole, tu dois rêver grand. Tu dois penser grand parce que tu as un grand Dieu qui t'appelle à faire de grandes choses avec lui. Dieu est un grand Dieu. Nous sommes dans une génération qui va très certainement connaître le retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimé, qu'à cela ne tienne, si le Seigneur tarde,
Nous sommes censés manifester sa gloire et être cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qu'il reviendra chercher. Bien-aimés, nous avons des choses à faire de la part de Dieu. Nous avons des choses à faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Il dit, je suis, le Père est en moi. Et il dit, les paroles que je vous dis, je ne vous le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Bien-aimé, si tu demeures en lui et que tu crois en lui et ses paroles demeurent en toi, le Père fera les œuvres et il sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, que sa main puissante soit sur votre vie, que vous puissiez expérimenter le Jésus vivant et ressuscité et glorieux, que vous soyez conforme à son image et que vous puissiez démontrer les réalités du royaume de Dieu là où vous êtes, parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine série d'enseignements. Que Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Ce direct vous a été proposé par l'Assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil de Lyon. Merci de l'avoir suivi et nous espérons que vous avez été béni. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre relation avec Dieu et vivre la vie que Christ a prévue pour vous, contactez-nous immédiatement. Pour ce faire, c'est simple. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur notre messagerie Facebook ou Instagram à Sueur Église de Lyon, ou alors nous envoyer un mail à contact@sueurlyon.com. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification afin de ne plus manquer aucun de nos directs. Avant de partir, laisse-nous un commentaire, un pouce bleu et partage le lien de cette vidéo autour de toi. A très vite, Sueur Lyon.